Je me suis réveillée en sursaut à cause d'une vive douleur. J'avais une grosse balafre sur la pommette. J'entends des bruits de grattement. Des bruits de toutes sortes à ma porte, au plafond. Pendant que je regardais par le judas, j'entendis un cri horrible, un jappement à vous glacer le sang. Quand je suis arrivée à la cuisine, mon chien était mort. Il était démembré et viscéré. Ses tripes étaient partout dans la cuisine. Il y en avait partout, ses tripes et son sang. Et en plus, maintenant, j'entends des voix qui m'enjoignent de les rejoindre. Je sens que je vais vomir. Les hallucinations empirent. J'ai cru voir mes murs saigner et mes portes respirer. J'entends même des grattements en ce moment précis. Je me suis enfermée dans la chambre avec des crucifix et des images religieuses. J'ai aussi pris une Bible, au cas où j'en aurais besoin. C'est dans ma chambre que je me sens le mieux, le plus en sécurité. Mais je suis terrorisée quand même. Ils n'arrêtent pas de m'appeler. C'est abominable. Je sens que je deviens folle, j'en suis sûre.